Bernard, tu devrais te protéger avant de faire ça. T'en fais pas, chérie, je suis bien couvert. Allez, recule-toi un peu et laisse faire les pros. Mais quand même, il y a beaucoup de vent, tu devrais... faire attention. Utiliser des pesticides dans son jardin ne doit pas être un réflexe, au contraire. Mais si une maladie ravage votre jardin et que l'utilisation de ce type de produit devient nécessaire, pensez d'abord... Produits de biocontrôle, c'est-à-dire des produits naturels qui vont faire le travail à l'égal d'un produit chimique. Choisir le bon produit est essentiel. Vous devez donc prendre quelques précautions lors de l'achat. Comme vérifier que... Mon produit est bien fait pour moi, jardinier amateur, c'est-à-dire qu'en France, on a la chance d'avoir un logo emploi autorisé dans les jardins, qui veut dire que ce produit a été spécialement conçu et dont on a évalué les risques. Mais ce n'est pas tout. Cela ne vous dispense pas d'utiliser votre produit avec précaution. Pour ça, une fois encore, reportez-vous à l'étiquette. Les doses sont exprimées en unités faciles à comprendre, qui correspondent à la taille du jardin. Et alors, il n'est pas nécessaire d'en mettre plus que ce qui est recommandé. Et puis, on pense à se protéger. Mais se protéger, ça veut dire quoi? Il faut avoir un t-shirt à manches longues, un pantalon, et puis des gants. Parce que la phase de contamination la plus importante, ce sont les mains. Vous l'aurez compris, on ne rigole pas avec les pesticides, car ce sont des produits dangereux. C'est pourquoi on pense d'abord méthode naturelle, puis produits biocontrôle, et en dernier recours, pesticides. On garde toujours en tête que... L'intervention, qu'elle soit chimique, voire de biocontrôle, ça ne doit pas se faire dès le premier puceron présent sur mon rosier ou sur mes légumes. Surtout attention, veillez à utiliser le bon produit au bon moment. N'oubliez pas de bien vous protéger. Et surtout, attention à bien respecter les dosages recommandés. Maman, il y a un monsieur tout vert dans le salon. T'en fais pas, ma chérie, c'est ton père.